Which job? Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today the chamber continues to hear testimony of KHEAV Neab. Continuer d'entendre and after that, we begin hearing testimony ensuite, of a civil party to TCCP 1063. And before we proceed, the chamber wishes to inform all parties to the proceedings in case 002/02 that today, Judge Yu Otara has some urgent personal matters and cannot attend the proceedings. And after the bench deliberation, Judge Tumani, who is a reserve national judge, is replacing Judge Yodra until such time that Judge Yodra is able to return to the bench. And that is based on Rule 79.4 of the ECCC Internal Rules. Mr. M. Hoy, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Greffier, Mr. President, Greffier, for today's proceedings, all parties to discuss are present. Mr. Nunchier is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. The civil party who is to conclude her testimony today, that is Madame KHEAV Neab, is present in the courtroom. We also have a reserve civil party, namely to TCCP 1063. Thank you. Merci. President, thank you. Je vous remercie. The chamber now decides on the request by Nunchier. The chamber has received a waiver from Nunchier dated 30 November 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to be present at the 30 November 2016 hearing. Having seen the medical report of Nunchier by the duty doctor for the accused at the ECCC dated 30 November 2016, which notes that today Nunchier has a constant lower back pain when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC Internal Rules, the chamber grants Nunchier his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. The chairman instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchier can follow. That applies for the whole day. And the chamber wishes now to issue an oral ruling on the admission of civil party application of two TCCP 1063 as evidence. The trial chamber notes that the civil party application of two TCCP 1063 is currently classified under the document reference number D22/194. The chamber has recently admitted the civil party's supplementary information as document D3/1067. Please see E436/1. Another supplementary information for this civil party was previously admitted as E3/59 32A.
In line with the Chamber's practice concerning the admission of material relevant to individuals appearing at trial, the Chamber now accordingly admits through TCCP's 1063 civil party application and assigns a document reference number E3/106708 to it. Vous pouvez interroger la partie civile. Merci, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Morning, Mr. President, bonjour your à toutes les parties. Good morning to all the parties. Bonjour Madame la partie civile, mon nom Good morning, est Vincent De Wilde et je vais vous poser des questions ce matin au nom des co-procureurs. Alors je sais qu'il n'est pas facile de se remémorer ces événements il y a longtemps. Je vais simplement vous demander d'être très précise dans vos réponses. Et si vous ne connaissez pas les réponses à une question, la réponse à une question, dites simplement que vous ne savez pas. Si vous ne comprenez pas une question, demandez-moi de répéter, il n'y a pas de problème. Just ask me to repeat, there's no problem there. Alors une première question concernant des membres de votre famille. Concerning your family members, est-ce que un ou plusieurs membres de votre famille étaient des officiers ou des soldats de l'ONOL, donc de la République Khmer, ou bien des fonctionnaires de l'ONOL entre 1970 et 1975? Yeah, Kram Krosan and Khyam, during the ONOL war time, pendant la période de la guerre de l'ONOL, j'avais un oncle came to Kampong Chinang province and he had disappeared since. Et il a disparu depuis. As for my direct family members, including the members of on my husband's side, did not participate or become any soldier in the army. However, some of them became soldiers for the Khmer Rouge. Devenus soldats pour les Khmer Rouges. Pourriez-vous nous donner le nom de cet oncle qui Could a you disparu? Give us the name of this uncle who disappeared? My uncle's name is Chun Chung. Pouvez-vous nous dire? Can you tell us when he disappeared? En 75, pouvez-vous nous dire quand il a disparu? Est-ce que c'était avant le 17 avril 75 ou après le 17 avril 75 quand Phnom Penh a été prise par les révolutionnaires? When the revolutionaries took control of Phnom Penh. My uncle disappeared after 1975. Mon oncle a disparu après 1975. Et qu'avez-vous appris sur les circonstances And de what sa did disparition? You learn about the circumstances of his disappearance? Qui vous en a parlé? Qu'avez-vous appris? Who told you about it and what did you learn? My uncle disappeared. Mon oncle. I received this information from someone who was in the same native, who lives in the same native village after we left Kampong Chinang. Après son départ, there was an appeal there for people who had previous employment. Les personnes qui par le passé occupaient certaines fonctions devaient respective employment by presenting themselves and my uncle fell into the trick. He presented himself and he disappeared. Est tombé dans le piège. Another il s'est présenté, il a disparu. Named Ro did not do so ne l'a pas fait. Accordingly, the person could return to the native village. Et cette personne
However, after 1975, they conducted the research and found out that he used to be a former Lunol soldier, and subsequently he also disappeared. Merci. Alors hier, vous avez parlé du fait que vous avez rejoint votre mari vers le Nouvel An Khmer 1978 à Phnom Penh, près du marché central. Met with your husband again near the central market cuisinière. In Phnom Penh, and you said that à ce moment-là, you were est-ce que vous apparteniez à la même unité at que votre time, mari? Were you a member of the same unit as your husband? Si j'ai bien compris, l'unité d'approvisionnement so this was the supply du marché unit, d'État. If I've understood correctly. In 1978, my husband brought me from my home in order to join the celebration of the New Year, that year. And when I arrived, I was assigned to be a cook. That is a cook for those who lived in the same house. Donc pour ceux qui vivaient dans la même maison. Et après cela, est-ce que vous avez continué à cuisiner jusqu'à la disparition de votre mari? Until your husband disappeared. However, on the day that my husband disappeared, I myself was taken from where I lived, although we were taken at different times on the same day. Même si nous avons été menés à des moments différents le même jour. Cette unité des cuisinières, est-ce qu'elle dépendait également de ce que vous avez appelé le ministère 870? Was it also under what you called Ministry 870? Hier, en répondant aux questions de Maître Marie Guiraud, vous avez précisé que votre mari n'était pas un cadre, mais un simple ouvrier ou manutentionnaire. Worker, je voudrais juste être certain que tout a été précisé, parce que est mentionné dans votre formulaire d'information sur la victime, E3-6425. Ce qui suit, et c'est aux pages en français 0-1-1-5-2-6-9-2, en anglais 0-1-1-1-4-1-5-3, et en khmer 0-0-5-4-1-6-8. Voilà ce qui est marqué dans le formulaire. Dans le courant de l'année 1978, après l'arrestation en masse des cadres du niveau de chef d'unité, de bureau et de département, mon mari a été promu à titre de cadre à un poste au sein du bureau 870. Voilà, donc je vous repose cette question. Est-ce qu'il y a eu un événement 78 qui a fait que votre mari aurait changé de statut et serait passé de celui de simple manutentionnaire à celui de cadre? From a labor reporter to one who is a cadre. My husband was chief of a battalion. I made that statement when he was a soldier. However, after the liberation in 1975, when he came to work at the state market, he was simply a worker, and his task was to gather supplies to store in the warehouse. À garder les vivres qui étaient stockés dans l'entrepôt. Maître Copper, vous avez la parole.
Yes, thank you, Mr. President. Oui, not sure whether président. It's ici. An objection or observation. It's too late for an objection anyway. Une objection, de toute façon, il est trop tard pour une objection. I'm not quite sure what the prosecution means with the word cadre. Qu'est-ce que l'accusation entend par cadre? Je ne suis pas certain de comprendre. Est-ce que ça veut dire membre du PCK ou est-ce que ça veut dire autre chose? I don't think there's any definition as to what cadre means. Il ne semble pas qu'il existe de définition du mot cadre. Je pense que la question qui a été posée Madame la partie civile y a répondu. Je ne pense pas asked, que ce soit nécessaire de rentrer dans ce débat, mais bien entendu, je crois qu'on peut être cadre debate, et certaines fonctions de responsabilité sans être membre du PCK. Without actually being a member of the CPK. Donc j'en conclus, Madame la partie civile, qu'il y a eu une erreur dans le formulaire d'information sur la victime, E3/6425. Donc que votre mari n'est pas devenu cadre. Pour autant, est-ce que vous savez qui étaient les chefs du bureau d'approvisionnement de l'État? Who was in charge of the state bureau d'approvisionnement du marché d'État. The State Market Supply Office. Cette antenne du bureau 870. Est-ce que vous savez qui étaient les chefs directs de votre mari? Do you know who was the direct supervisor of your husband? In 1978, when I arrived, I knew Vui and Pin, who were the supervisors in that location. That's all I know. C'est tout ce que je sais. Donc, au-dessus de Vui et Pin, vous ne savez pas qui dirigeait l'ensemble de ce bureau. Who managed this office overall, if I've understood correctly. Yes, I didn't know about c'est that. Exact, je n'en savais rien. Je vais revenir tout à l'heure sur ce qui est arrivé à vous. I'll come back a bit later to what happened to Boy. Hier, vous nous avez dit avoir vu Kyusampan yesterday, you told distribuer us that you de la nourriture et des vivres aux gens provenant de Preveng, de la zone est. Who had come from Preveng est-ce que in the East Zone. Vous aviez déjà entendu parler de Kyusampan avant de le voir Kyusampan et avant que votre mari vous dise que c'était lui? And before your husband said that it was him. One day when people were evacuated from Preveng province, we were ordered to cook for them. On nous a demandé de cuisiner pour eux. And then they had supplies, materials, including clothing and scarves. These materials or supplies were distributed to them. Et des vêtements qui leur ont and été distribués. During the course, I saw Kyusampan. Initially, et à ce I did not know him, but début, I asked my husband, and my husband said that he was Onka, and he was known as Ta Kyusampan. That's all I know about that. Voilà comment je suis. À part lui, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de noms d'autres grands responsables du Parti communiste du Kampuchea? Of high-level authorities and leaders in the Democratic Kampuchea regime? Before that, I had only heard of Onka, but I did not know who the leaders were, that is, amongst those Onka. C'est-à-dire qui était l'Onka? À proximité du marché central, est-ce que vous savez s'il y avait un bureau qui s'appelait le bureau du commerce extérieur? Office, which was the foreign commerce office? No, I was not aware of that. Non, je n'étais pas au courant. Donc j'en viens alors à cet incident, so we'll come back then to this incident that you saw. Ce moment où vous avez vu Kyusampan distribuer des écharpes et de la nourriture aux gens de Preveng. Scarves and food to people from Preveng. De quelle couleur étaient les écharpes ou les kramas qui étaient distribués the krama par Kyusampan? Or scarves that were being distributed by Kyusampan, what color were they? Kroma. Les
handed it to the people there at the central market. Qu'il donnait là-bas aux gens au marché blue central and white était in bleu color. Et blanc. Est-ce que ces kramas bleus et blancs with these blue and white étaient réservés uniquement aux gens only venant de l'Est et qui se trouvaient près du marché central? From the East Zone and were near the central market. I saw that the kramas were distributed to those people. Que l'on distribuait des kramas à ces gens. Council Antagise, you have the floor. Parole, dit le président. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. J'en reviens à la même objection que j'ai fait hier, lorsque ma consoeur Marie-Giraud posait des questions plus approfondies sur les évacués de l'Est. Nous allons sur un terrain qui est le terrain de déplacement de population 3 et de ce qui se serait passé ce jour-là. Et dans ces conditions, j'objecte, puisque je ne fais pas l'objet du présent procès. Donc, de la même façon que j'ai objecté hier, j'objecte également sur la suite des questions de M. le procureur à ce sujet. Monsieur le Président, je vais faire une longue réponse parce que je sens que j'aurai beaucoup, beaucoup d'objections sur ce sujet, alors qu'il s'agit bien du rôle de QSampan. Que fait QSampan ce jour-là? Pourquoi ce parti civil est là aujourd'hui? C'est uniquement pour nous dire ce que faisait QSampan au marché was central, doing, and it's only to find out what Kusampan was doing at the central market, and particularly distributing the blue and white cards. This concerns the role of Kusampan. Éventuellement, des ennemis du camp and now, also concerning the definition of enemies of the DK Republic. D'autres questions concernant and I will be asking other questions concerning the follow-up of the accused who was distributing the blue and white scarves to people from the east who were moving toward the northwest. So this isn't as banal as we might think, this distribution. Ou d'une distribution so we need to ask if this was a humanitarian distribution or if it was something that would allow for the subsequent identification of people from the East Zone, which would then lead to being able Alors, to commit crimes against them. So if the Chamber does not want to hear this type preuves, of question and evidence, la Chambre aurait demandé à cette personne I wonder de why déposer aujourd'hui. The Chamber would have asked this person to come and Par ailleurs, testify today. Chose, moreover, le the last thing, the role of the accused and his contribution to the joint criminal enterprise is completely relevant. Même si les faits criminels Even qui if sont reprochés the peuvent criminal tomber en dehors facts du that he's accused of de ce qui vous est soumis dans le dossier 2.2, might fall outside ne reste pas moins qu'il s'agit de déterminer le rôle et la contribution, significative ou non, de l'accusé à une entreprise criminelle commune. Of the accused, Par ailleurs, and on a entendu to what de extent nombreux témoins dans le dossier 2.1 criminal enterprise 2-1 sur le rôle des accusés. Pertinent. Et là également, il n'y avait pas un lien also immédiat in, avec case 00201, les transferts forcés population 1 heard et 2 when there was ou Paul Pocheret. No Ici, nous avons direct link de with the ou movement de témoins of the population qui viennent crew. Déposer sur le rôle des accusés. So il those who pas are coming to, être entendus dans le cadre du dossier 2.1. Je crois que ça reste tout à fait pertinent de poser ces questions spécifiquement sur les gens de l'Est, le rôle and de Kusampan par rapport à ces personnes et la signification de porter un kramas bleu et blanc sous le régime du Kampuchea démocratique. Concerning these people and the significance of wearing a blue and white krama in Democratic Kampuchea. Merci, Monsieur le Président. Je me dois de répliquer à cette longue réponse de Monsieur le Procureur. Thank you, Mr. President. En gros, ce qui vous est dit aujourd'hui, c'est, bien sûr, on peut parler de façon circonstanciée course, de ce qui nous arrange sur le déplacement de population qui n'est pas dans le champ du procès, c'est-à-dire un thème trial, sur lequel l'accusation pourra poser des questions, apporter des éléments de preuve, mais pour lesquels la défense, parce qu'il ne s'agit pas de faits qui sont objet de ce présent procès,
n'aura pas eu l'occasion d'amener de témoins, il n'aura pas eu l'occasion de pouvoir confronter une preuve éventuellement à des charges. Donc on vous dit, vous pouvez utiliser des éléments qui ne sont pas dans le champ du procès, pour lesquels la défense ne s'est pas préparée, et pour laquelle la défense n'aura pas à apporter de témoins, puisque de fait, ça ne fait pas partie du présent procès, mais vous pouvez l'utiliser parce que fondamentalement, ça nous arrange pour essayer de trouver de la preuve à charge supplémentaire. Is not able to bring witnesses, je pense qu'il y a, in fact, quand bien même on veut absolument trouver de nouveaux éléments supplémentaires à l'encontre de M. Kyosampan, il y a quand même une règle de procédure très simple qui est, lorsqu'on a des faits qui ne font pas partie des faits dont la Chambre sont saisies, on n'est pas supposé en parler. Pourquoi on n'est pas supposé en parler? Parce que la défense n'a pas de possibilité d'apporter des éléments de preuve sur ces points particuliers. Donc, pourquoi la Chambre a fait venir cette personne? On lui a dit, elle a vu que son pan, elle donne ses éléments circonstanciés. Je note au surplus que cette personne a indiqué qu'elle aurait vu M. Kyosampan pour une durée de 5 minutes. Donc je ne vois pas sur quelle base M. le procureur va nous indiquer que au sujet de ces 5 minutes, elle pourra avoir des éléments sur ce qui s'est passé par la suite, puisqu'elle-même n'a pas d'éléments sur ce qui s'est passé par la suite pour ces personnes dans l'Est, de l'Est qui ont été évacuées ailleurs, parce que, encore une fois, ces faits ne sont pas l'objet de ce procès. Donc on peut nous parler des volontés dilatoires de la défense du fait qu'on perd du temps. Là, on est en train de perdre du temps sur des éléments qui ne font pas l'objet de ce procès et qui sont une violation absolue à la défense des accusés, puisqu'on parle de faits pour lesquels, encore une fois, on a dit qu'on n'était pas censé en parler dans le cadre de ce procès. Monsieur le Président, si je peux... Maître Cope, Monsieur le Président, si je puis ajouter... From the Kyosampan defense team that I fully support. J'appuie pleinement les arguments présentés par la défense de Kyosampan et je souhaite ajouter que cette situation avec ce témoin concrètement est une situation similaire à une situation d'il y a deux semaines avec un autre témoin qui venait de la zone Est et qui par la suite a été maltraité, oui ou non, à Kompong Spe. Des questions ont été posées à ce témoin par le coprocureur international, M. Kumjian, et vous avez dit spécifiquement une ou deux questions générales et c'est tout. Je crois que la situation ici est tout à fait semblable. On peut permettre une ou deux questions, mais pas plus, parce que très clairement, c'est à l'extérieur du champ du procès. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait comparable, parce que si j'avais bien compris ce que dit le coprocureur, cela a pu se produire pendant le mouvement, mais le mouvement, le déplacement plutôt, ce n'est pas ce dont il est question ici. Ce dont il est question ici, c'est le rôle de l'accusé et ce n'est pas nécessairement la même chose. Est-ce que j'ai bien compris? Je sais que tout ceci est un peu long, mais il me semble que tout se réduit à ce que je viens de résumer. Maître Cope, je comprends ce raisonnement. Ce que j'ai entendu dans la longue réponse du coprocureur, c'est qu'il aimerait poser des questions détaillées sur ce qu'il s'est passé aux personnes avec les écharpes bleues et blanches. Voilà ce que moi j'ai compris dans sa réponse. C'est pourquoi je me suis levée pour appuyer l'objection. Maintenant, si on se limite simplement à ce qui s'est passé au marché, alors dans une certaine mesure, je peux comprendre, c'est compréhensible, mais pas nécessaire. Si maintenant on souhaite rentrer dans le détail de ce qui est arrivé à ces gens, je crois que là, nous dépassons les bornes. Monsieur le Président, la Chambre overrule the objection related to the fact of what happened at Psar Thmey. The question can be asked, but it should not ask for the details about the third stage of evacuation. Quant au troisième déplacement de population. Toute la question que je vais poser, Monsieur le Président, parce que je dois répondre à votre collègue. All the questions that have been asked since I have to respond are related to the role of Kyosampan and to know whether at the time when the blue and white grammars were distributed, he knew that they were going to be used to identify the persons who received them. So the role of Kyosampan is part of this trial. Madame la partie civile. Madame civil party. À combien de personnes ou de familles Kyosampan
To how many persons and families did Kyo Sampan distribute clothing, including blue and white kramas, as well as food to people from the east near the market? Can you give us an estimate of the number of persons who received those kramas? He distributed materials, and there were hundreds of evacuees. Il y avait une centaine de personnes évacuées. The question is not about that. La question ne porte pas sur cela. The prosecutor asked you about your witnessing the distribution of karma and food by Kyo Sampan to the evacuees from Prey Veng province. The question asked to you was about how many evacuees who received the karma and materials from Kyo Sampan. I mean, the question was about the number of people you saw who received the karma and materials from Kyo Sampan. Witness, I saw him distributing materials to one person. Des objets à une personne. I saw him distributing the krama to one elderly woman. Distribuer des krama à une vieille dame. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris parce que dans la réponse précédente en français, on a parlé d'une centaine de personnes. Previous, answer you give in French. Mention is made of about 100 vacuees who received food and clothing. Was it only one person that you saw, or about 100 persons you saw receiving kramas and food? Yes, there were many people there. Il y avait de nombreuses personnes là-bas. But I saw him giving a krama to an elderly woman. Des krama à une vieille femme. But there were many people over there. Mais il y avait de nombreuses personnes sur le site. And I saw him giving one krama to the elderly woman. À une femme âgée. President, the floor is given to Council Kong Samon. Le président, Kong Samon, thank you, Mr. President. Maître Kong Samon, merci, Monsieur le Président. To my recollection from her answer yesterday. Si je me souviens bien de sa réponse hier. The witness said that Kyo Sampan handed over krama several times to the evacuees. Des krama à plusieurs reprises aux personnes évacuées. And she said several times that Kyo Sampan gave one krama to one person at Psa Thmai. So I think the question is repetitious. La question est, à mon sens, répétitive. Je vous remercie. Alors, je voudrais clarifier un point. I would like to clarify a point. Dans votre formulaire d'information sur la victime, E3-6425. C'est en français à la page 00011-52-6-9-3. En anglais, 0-1-1-5-2-6-9-3-1-1-4-1-4-5-4-1-7-0. And this is what you stated. Avant l'arrestation de mon mari, j'ai vu Kyo Sampan dans le coin du marché central. At the corner of the central market, distributing white and blue squared scarves, aux habitants évacués de la zone food and clothing to evacuees from the east zone who were subsequently going to be transferred to the northwest zone. Donc, end of quote. Now, clarify how you knew that the persons to whom Kyo Sampan distributed food and clothing were persons from the east zone and that they subsequently were sent to the northwest zone. I was aware of this because I was also there, car j'y étais également. And I witnessed the event
with my own eyes. Et j'ai été témoin oculaire de cet événement. D'accord, mais qui vous a dit qu'ils venaient well. De la zone est? But who told you? Et qu'ensuite ils iraient vers la nord, from la zone nord-ouest. Zone est-ce que c'est les they were going to the northwest zone subsequently. Was it the Vakis themselves who told you, your husband, or perhaps other persons? The reason I was aware, because when those people arrived, our group asked them where they came from, notre groupe leur a and they told us that they came from Preveng. Ils nous ont répondu qu'ils venaient de Preveng. Est-ce que vous avez vu un seul groupe? Did you see a single group du marché central, donc une centaine de personnes, ou bien y a-t-il des vagues de groupes central market, qui sont venus about 100 persons who came, marché central, or waves of persons who came to the central market from Preveng or Svirien? President, please hold on, Madame Civil Party. The floor is given to Council Ontakuse. Maître Ontakuse a la parole. Là, très concrètement, les questions de Monsieur le co-procureur sont sur les déplacements de population, les vagues, d'où venaient, où ils allaient. On est clairement dans des pétroles. Where they were going to and where they came from. So I object to this question. Prosecutor. Mr. President, I'm only referring to the events in which Kyo Sampan distributed clothing and food to people in this context. On est en train de nous dire qu'on ne peut pas parler de cet événement problem, sans le mettre dans le contexte, c'est-à-dire sans parler des déplacements de population croix qui ne font pas partie de ce qu'on est censé examiner. Donc là, concrètement, on est en train de mettre la défense dans une situation où on va parler de faits pour lesquels nous ne pouvons pas nous défendre. Ils sont en train de parler de faits dont nous ne pouvons pas défendre notre client. Co-prosecutor, let me clarify something, Mr. President. The name of the civil party, as well as the names of others who will appear before this chamber, are on the list of witnesses and civil parties. Et on sait que for more than 2.5 years, they have been on the list, and we know that the only way, as we've said in our motion, that these persons can be heard before this chamber is to detail the roles of the accused. Particularly with regard to these evacuees from the east zone and the decision of white and blue clothing and scarves, to say that la défense n'a pas objecté this is not part of the case file is déposer. An aberration. The defense should object to calling these persons to testify. Très clairement, le counsel for the defense. Can we shorten this? We have had this argument. Est-ce que nous pouvons faire plus court? Nous avons déjà eu ce débat. La chambre a tranché. Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments nouveaux ici. Or am I missing something? Ou est-ce que anything happened between our ruling a couple of minutes ago and now? Est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être de nouveaux éléments entre notre décision et maintenant? Entendu dans la décision de Monsieur le Président qu'il n'y avait pas d'éléments, on ne devait pas aborder les éléments relatifs au déplacement de population 3. Donc je me suis levée au moment où Monsieur le Co-procureur parlait précisément des éléments relatifs au déplacement de population 3. I rose to my feet because the co-prosecutor was referring to events related to the third movement of the population. Je ne sais pas quelle est la décision de la Chambre. Est-ce que je peux continuer, Mr. President? I don't know what the decision of the Chamber is. Can I continue, Mr. President? President, now let me make it clear. I repeat what I said. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. And I already clarify and emphasize on. That your question should focus on the role of the accused for these civil parties or witnesses. As for other facts, they are supplementary. Pour les autres faits, il s'agit de faits complémentaires. And if you focus on that, it would be not the main focus of this segment of the trial. You cannot expand such a scope because the scope of this trial has been limited and witnesses are selected in order to be questioned on this scope of this segment of the trial. Et il faudrait que vos questions and for that reason, we have to choose
pertinent du procès. Or witness is particularly important for a certain segment of the trial. Nous avons choisi quelle partie du témoin est important pour tel ou tel segment du procès. On almost any topic. En ce qui concerne les témoins experts, on peut leur poser toutes sortes de questions. Your questions pour ces raisons, il faudrait donc limiter vos questions to the facts or the scope of the segment of the trial conforme and avoid wasting time rather to fill the times allocated to that particular évitons party. De perdre du temps. If it is not necessary, then you should move de perdre on le temps so that we can hear party. Another civil party or witness rather than to fill si the allotted time. N'est pas pertinent, alors passons à un autre témoin au lieu de perdre le temps imparti. Vous pouvez y aller. Merci. Donc, je vais passer à un autre sujet avant cela I'll pour les besoins de la line of questioning and for the record. Je me permets de référer la chambre. Renvoyer la chambre like à trois déclarations. The chamber to three statements that I've not been able to read. E3/55/08 and E3/3907/08 alias Chun. Je voudrais vous faire repréciser I would like you to quand votre mari a-t-il été arrêté, when your combien husband de temps à was peu arrested, près avant que how les long Vietnamiens prennent Phnom Penh. After the Vietnamese captured Phnom Penh. My husband, who was at the market, he was with me. Mon mari était avec moi au marché. But when he was arrested and taken away, I did not remember the date. But based on the document here, he was arrested. D'après le document and sent, que j'ai sous les yeux, arrested and taken away on the 11th of December 1978. Le 11 décembre 1978. Rather, it was in December, but I cannot recall the exact date. C'était plutôt but en décembre, one day, je ne me souviens pas he de la date was exacte. Taken away un jour, along il a été emmené with three other individuals. Avec trois autres personnes. My husband named Chu and another mon person s'appelait who Chu. Was taken away along with him was Ron. Et Ron this était is une based on the name list of people who lui. Were taken away. Ceci figure sur la liste des personnes arrêtées et emmenées. Oui, donc ça c'est la liste qui vous a été montrée hier par Maître Guiraud. That was the list that was shown you yesterday by Councillor Guiraud. List E3/4. Qui mentionne que votre mari est entré à 21 le 11 décembre 1978. Dans votre formulaire d'information supplémentaire, in your supplementary information il y avait une date, even though c'était celle du mois d'octobre 1978. We have the date of October 1978. Donc ça c'est la référence E3/6/4/25. À la page en anglais 01 06 03 006 93 00 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
with. Donc voilà ce qui figure sur ce formulaire. This is what is stated. Vous avez dit on ceci. The form. This is cependant, what is stated. Plus tard, l'Ankar a arrêté mon mari au mois d'octobre 78. L'a enfourné dans une voiture et emmené vers une destination inconnue. Je destination. Ne savais pas quelle en était la raison, mais à mon avis, l'Ankar enquêtait, faisait des arrestations systématiques de gens bien placés. Fin de citation. Arrested people who are well placed. Ma question est la suivante. Est-ce que vous savez si est-ce que vous avez pu apprendre did you know, or même were après 1979 si votre mari a d'abord été détenu ou rééduqué first detained à un or re-educated endroit avant at another location before he was taken to S21? No.
I received no news from non, him. Je n'ai reçu aucune nouvelle de lui. I only found il out a disparu. About the details of his arrest only when I saw this document. Je n'ai su les détails de son arrestation que lorsque j'ai vu ce document. D'accord. Est-ce qu'un dénommé Rhett vous a parlé du sort de votre mari après 79? Talk about the fate of your husband. Rhett, R-E-T. After 1979. That is Rhett, written, spelled as follows, R-E-T. After 1979. Après 1979. It was in 1980. Plutôt 1980. In the rural areas. Of my area, there was no good harvest yield. Dans mon village natal, les récoltes n'étaient pas bonnes. Ox cart to Siem Reap to collect en charrette rice. And I met him. Récupérer du riz. He told me that my husband was either imprisoned at Preso or at S21. A été emprisonné soit à Pressard, soit à S21. So I received the news about my husband's disappearance from Red, who c'est was living in Siem Reap. De la disparition de mon mari, et Red vivait à Siem Reap. Alors hier, vous avez dit, je crois, que yesterday, votre mari avait été emmené par trois personnes, trois Khmer Rouges. Est-ce que vous savez de quel bureau venaient ces trois personnes? From which office those three persons came? I said that there were three individuals, including my husband. Y compris mon mari. The three were my husband, Nye and Run. Mon mari, I did not Nye see them being taken away. Because at the time of their arrest, I was cooking in the parce kitchen moment hall, de leur arrestation, and my je husband faisais was la cuisine at his workplace. Mon mari, lui, I était à son lieu de travail. Was aware of their arrest from my son, who was 3 years c'est old at that time. Âgé de 3 ans à l'époque, when I did not see his father, I asked quand him, je n'ai pas vu son père, and he told me that three people were taken away, il m'a dit que 3 personnes my husband, ont été Uncle Nye and été Uncle Run. L'oncle Nye, l'oncle Ron et mon mari. D'accord, donc si je sais que le formulaire d'information sur la victime n'est pas toujours 100% fiable, il était question information form is not always du cadre reliable. Du bureau K7. I was talking of cadres. Est-ce que vous avez entendu, vous saviez ce que c'est K7. Le bureau K7 à cette époque-là? Did you hear vous about that idée? Office and did you know what it was all about at the time, or you have no idea as to what that office was? No, I did not know about the K7. Non. I heard people in my workplace talking about K7, but I did not know where it was. Cassette, mais je ne savais and pas où about cela its se trouvait. Roles. Et quel était le rôle de ce bureau? Alors vous avez parlé des deux collègues de now, votre mari. Two of your husband's colleagues who were also taken away at the same time. Run est-ce que vous connaissiez les épouses, s'ils étaient mariés, did you know de ces deux personnes? The spouses of those two persons, if they were married? Run was not married yet. Run n'était pas encore marié. For Ye, he is married and his wife's quant à lui, name was Ya. Et sa femme s'appelait Yad. But I don't know her original name. Je ne connais pas in son our nom team, de naissance. She was addressed as Nat. On l'appelait Nat dans notre équipe. Est-ce que la femme de Ye, donc Ya ou appelée Nat, was Ye's, a été emmenée en même temps que vous ou bien Matt. Taken away elle n'a pas été at the same time moment as yourself, or she wasn't led away at the same time with you. After my groups were taken away,
Yes, wife. Après que mon groupe a été Nat amené, was also taken away on the same day with me. A également été amenée le même jour que moi. Y avait-il de nombreuses femmes qui ont été emmenées en même temps que vous? Were there several women who were led away at the same time as yourself to the pagoda you referred to? There were four or five women. Il y avait quatre ou cinq femmes. And there was there were women and there was only one man named Hom. Il y avait des femmes et Hom, un seul homme. We were in the same groups. Nous étions dans le même groupe. And we were familiar with each other. Et nous nous connaissions. Est-ce que toutes ces femmes qui étaient dans ce véhicule avaient déjà eu leur mari qui avait été emmené? Faced a situation in which their husbands had already been led away. All the women who went along with me. Toutes les femmes emmenées en même temps que moi. Some of them had their husband with them, while some did not. Certaines avaient leur mari avec eux et d'autres non. Donc juste une question sur votre destination. Vous avez I parlé have d'une one pagode question regarding your destination. You talked of a pagoda called Est-ce que vous savez si cette pagode dépendait du bureau du ministère 870? Was on the office 870. Yeah, what the Commandant, President, please hold on. Le the floor is given to Council Antakuse. Maître Antakuse a la parole. Objection à la manière dont la question a été posée par Monsieur le Procureur. The question has been asked by the co-prosecutor. The civil party has always talked about the Ministry 870. Donc, she est-ce never que talked vous savez si cette pagode, office 870. Sur Let me rephrase the question. Du riz, do you know whether the pagoda where you worked and where you harvested rice was under the Ministry 870? We were sent to Cheyodam Pagoda. Nous avons été envoyés we à la pagode knew it was de called Cheyodam Pagoda. Nous savions but qu'elle we était appelée did not know whether it was under what or which ministry. Mais nous ne savions pas de quel it was where we were sent to harvest rice. On y a été envoyé pour moissonner du riz. Alors hier, vous avez vu un document, yesterday you were shown 10, a document 4, 5, 4. E3 J'ai un autre document à vous 10, montrer. 4, de S21 également. C'est le document 4, E3/1974. C'est une liste d'interrogatoires and it is à an interrogation list from La page S21. Pertinente and en français the relevant page est 00 88 4077. En anglais, in 00 1 8 4 0 0 7 0 0 8. Et en Khmer, 00 5 2 5 2 8 9 8 9 7. Monsieur le Président, je voudrais Mr. remettre President, ce document I would like to à la partie civile, and this sachant qu'il y a civil party, probablement le nom de son mari et des deux autres personnes qu'elle a déjà mentionnées hier. The name of her husband and the other persons, and will ascertain whether those names are on the document. President, yes, your request is granted. Le président, allez-y. Donc il y a quatre noms sous un titre so qui s'appelle Économie d'État. Il n'y en a pas trois, il y en a economy. Quatre. Et le premier, not three, but four. C'est the first un dénommé K-H-Y, Pengli, P-E-N-G-L-Y, P-E-N-G-L-Y, alias Anne, E-N. 23 ans, sexe age masculin, 23, messager male, de l'économie de l'État. Messenger of the 2 novembre 1978. Ça, c'est probablement la date d'arrivée.
the date of arrival at S21. Est-ce que vous connaissiez à l'époque, je vais m'arrêter là pour le moment, est-ce que vous connaissiez à l'époque ce premier nom sur cette liste, à savoir Anne, messager de l'économie de l'État? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Does that ring a bell to you? No, I was not familiar with this name. Non, ce nom ne me dit rien. Alors, je vais lire les trois autres noms qui correspondent à ceux qui se trouvent sur l'autre liste qui vous a été donnée hier. Donc, les trois autres noms sont Kang Ye, 26 ans, sexe masculin, combattant de l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Ensuite, il y a Kong Chi, alias Chun. C'est écrit sur ce document, en tout cas en français, Kong Chi, K-O-N-G, Chi, K-O-N-G, alias Chun, C-H-Y, alias Chun, C-H-O-U-N. La version Khmer, là, j'ai très compliqué à lire. Je crois qu'il manque une partie du premier chiffre. En français, ça a été traduit par 35 ans, et en anglais également. Sexe masculin. Combattant de l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Et le troisième nom qui suit, Tu Lek, L-E-A-K, alias Run, R-U-N, 24 ans, sexe masculin, combattant l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien des mêmes personnes ici, à savoir votre mari, ainsi we are talking of the same persons Kang here, that Ye is your husband, as well as his colleagues, Kang Ye and Run. Kang Ye was my husband's friend, Kang Ye president, the prisoner and witness, and counsel consultant, you had the floor. Madame, Maître Consamon, à la parole. Consamon. According to this document, which is shown by the co-prosecutor, présenté par le coprocureur, the civil party does not identify her husband's name or whether her husband's name appears on the list yet. But elle the deputy co-prosecutor si confirms that it's her husband's name on the list. Confirme déjà que le nom de son mari apparaît sur cette liste. This is a supposition made by the deputy co-prosecutor and to give a hint to the civil party. Pour donner des indices à la partie civile. Je ne crois pas. Monsieur le Président, je ne crois pas. Je demande précisément à la partie civile savoir s'il s'agit, parce que il semble que ça corresponde à ce qu'on a vu hier, les trois mêmes noms. Je demande s'il s'agit des mêmes personnes, y compris son mari. Donc, si elle n'identifie pas son mari, qu'elle le dise. Si elle ne pense pas que c'est sur son mari, alors elle doit simplement dire ça. Mr. President, this document is different, and there is also a line crossing on the name, and the age appeared here is different from what the civil party testified. Et l'âge qui figure ici, she testified yesterday that when her husband disappeared, he was 25 years old, and in this document, the person's age is 35 years old. La personne tel qu'il est marqué porte 35 ans. Deputy co-prosecutor, you should first ask about the name of the person and whether she is familiar with the name, and if so, then who the person is. Si, if you follow this nom, practice, then it will be clearer. Cette personne, si vous suivez cette and méthode, if you ask and if clair. He says he doesn't know, that's it. Vous please, pouvez poser la question et si elle dit qu'elle ne sait pas, alors on en tiendra compte. Veuillez reformuler and votre question pour la rendre plus précise. Et si l'âge est différent, il faudrait également poser la question sur cet âge, car ici nous avons une différence de 10 ans, un écart de 10 ans. Justement, je ne crois pas
qu'en regardant la version Khmer, that's just the point when looking at the Khmer version. I don't think we can say if it's a 2 or 3, Madame but la partie civile, I don't cette know personne Khmer. Appelée so Madame Civil Party, sur ce document, Kong Chi alias who is called Chun, Kong Chi alias Chun in this document, combattant l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978, est-ce votre mari ou non? In 1978, is this your husband or not? I already took an oath before the Iron Club State through, and I can say that this person is my husband. Prêté serment devant la statue à la barre de fer, et je puis affirmer que cette personne est mon mari. The other name that is Run is my husband's friend. Run est so un ami I am de familiar mari. With these two or three individuals. Ainsi, ces deux ou trois individus me sont familiers. Bien. Tout à l'heure, vous avez mentionné comme chef earlier, de votre mari un dénommé Voy. Supervisors, someone named Voy. Alors, je voudrais vous présenter un document. So I'd like to submit to you a document. Également une liste de personnes interrogées à S21, c'est la liste E3-2178. La page qui est pertinente, and the relevant page, c'est en Khmer 00021091. En anglais 00631981. Et en français, 00631977. En fait, c'est un peu compliqué à lire, donc je vais peut-être in simplement, fact, pour gagner aussi du temps, to read it, so perhaps to save time, lire la traduction. I will read the translation. Donc il s'agit d'une liste de personnes interrogées à S21 qui comprend 66 noms, interrogated at S21, dont certains, pour certains, il est mentionné la date d'exécution, tandis que d'autres semble encore être à l'interrogatoire. Alors while sur cette liste figure le nom de So Sour, S-O d'abord, et puis Sour, S-O-U-R, alias Voy, V-U-Y, 29 ans, sexe masculin, chef de bureau de l'approvisionnement d'État 870. Date d'entrée à S21, le 24 mai 1978. Je précise que dans la version anglaise, c'est le numéro 51, mais dans l'original et en français, il n'y a pas de numéro à côté de son nom. Donc, est-ce que les indications que je vous ai fournies concernant cette personne, vous, 29 ans, this information masculin, I gave you, Voy, 29 years old, head of the state supply arrêté également, office 871. Does this vous also savez correspond du chef de votre mari, vous avez dit qu'il s'appelait to Voy. The person that was your husband's supervisor, whom you called Voy? Yeah, but my now. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez appris à l'époque dans quelles circonstances did you learn il a at the time, disparu? Under what circumstances he disappeared? No, I did not know. Non, about je ne savais that. Pas. No, how by wrong near but that of the had mailed at the same location, I was not aware as to when he disappeared. Pas. He simply disappeared. Je ne sais pas à quel moment il a disparu. Il a tout simplement disparu. Est-ce que vous savez qui l'a remplacé comme chef de ce bureau d'approvisionnement? Do you know who replaced him as the head of this supply office? I did not know who took over the supply office. Est-ce
Est-ce qu'à l'époque vous aviez également connu un autre cadre? Did you also know another cadre? S'appelant Sao. Who was called Sao, S-A-O. Son nom complet. His full name Sam is Rit. Sam Rit. Sua. S-U-O-S. S-U-O-S. Sao. Alias Sao. Qui avait 28 ans à l'époque. He was 28 years old at the time. No, I'm not familiar with that name. There were many people. Ce nom ne me dit rien. Il y avait beaucoup de gens. Entre votre arrivée à Phnom Penh, between your arrival in Phnom Penh, vous avez travaillé comme cuisinière vers le Nouvel An Khmer, towards the Khmer New Year, 1978. Entre ce moment-là et le moment où vous avez été emmené, votre mari a été emmené, and the time when est-ce qu'il y a des cadres ou des combattants de votre unité de cuisinière ou de l'unité d'approvisionnement de votre mari qui ont disparu? À part Vui, évidemment. Aside from Vui, obviously. No, I did not, because I left, so I did not know who to take charge in that area. Oui, je vais reformuler ma question. I will reword my question. Perhaps it's a bit too complicated. I wanted to know if between April 1978, when you arrived et le moment où on vous a mis dans une voiture pour aller time when you were brought in a car la pagode to go to the pagoda pour cultiver le riz. Est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu de votre unité ou de l'unité de votre mari? Est-ce que vous en avez eu connaissance? Do you have any knowledge of that? J'ai été emmenée à bord d'un véhicule dans la rizière. I was among many people. And I did not know or did not care about who else disappeared, as I was only concerned about myself. Ça ne m'intéressait d'ailleurs pas. La seule chose qui me préoccupait, c'était moi-même. Très bien. Je vous remercie, Madame la partie civile. Well, thank you, nous madam. N'avons plus de questions. Civil, we have no further questions. We have some matters to discuss with the parties. Nous avons un certain first, nombre de questions à aborder avec les co-prosecutors and the elite co-lawyers. According to our schedule, that tomorrow we probably have only the morning sessions, and then we have the afternoon sessions vacant. Seulement, et l'après-midi, il n'y aura pas audience a priori. And then we also have the schedule ensuite, for programme, next week. Pour la semaine prochaine, that is to begin with 2 TCW 1060 and 920. And these two are not able to testify tomorrow. Qui ne sont pas en mesure however, de témoigner 2TCW demain. 1069 is available to testify for tomorrow, and this witness is proposed by the defense team for Nguyen Chia, and is scheduled to be heard on Wednesday next week. The question is if the chamber calls 2TCW 1069 starting from tomorrow, whether you are able to accommodate that, that is after the conclusion of 2CW 1063. Because it means that we move the schedule a bit forward. Que nous allons avancer le programme. To make it clear in English, a couple of witnesses have health issues, so we can't hear them. We are contemplating the only person we can bring tomorrow is 1069, Nguyen Chia witness. Ready to start tomorrow? C'est le 2TCW 1069. Est-ce que demain vous êtes prêt à l'interroger? I'm a bit caught by surprise. Vous me prenez de court. His DC cam statement. Est-ce que sa déclaration au CDCAM a été traduite? Je ne suis pas certain qu'elle l'ait été. If it isn't, then that's of course
si ce document avait bien été traduit, alors c'est problématique parce que nous fondons Searching for the Truth magazine sur un article Searching for the Truth. Nous avons lu la version en Khmer de la déclaration au SEDECAM. Nous avons envoyé une demande urgente de traduction. J'ignore si, je suis en train de vérifier avec mon équipe, j'ignore si cela a été traduit. Parce que si le document n'existe qu'en une seule langue, c'est problématique. Je pense donc, si ça a été traduit, vous êtes prêt à intervenir demain. Sinon, c'est un problème. Est-ce que j'ai bien compris, Maître Coppe? Yeah, I suppose so, oui, yes. Oui, je crois. The English is ready. I'm just being informed. On m'informe à l'instant même que la version en anglais est prête. Alors, est-ce que je devrais commencer demain après-midi? As far as anything is predictable, je here, yes. Dans la mesure du prévisible, yeah, oui. Yes, I suppose so. Yes. Maître Coppe, oui, donc je pense que je serai prêt. That is good news. What about other parties? Because now we don't have any problem with the party who proposed the witness. If you have any problem, please rest. If not, then there is no need to be on your feet. Si vous avez un problème, alors si cela vous pose problème, veuillez vous lever. Sinon, vous pouvez vous rasseoir. Écoutez, Monsieur le Président, nous sommes également pris un petit peu de court. Mr. President, we're je pense que, caught a bit short si as well. I think clearly if the defense of Nunchia is prepared demain, to begin nous n'avons pas de problème à ce, the interrogation tomorrow, we have Par no contre, si problem. However, if we demain, also need to begin tomorrow, this would be more problematic pas, je ne crois pas que nous because déjà prêts. I don't believe that we're ready yet. Voilà. Donc, on pourrait faire comme on l'a déjà fait avec d'autres témoins, notamment vous souvenez sur le segment vietnamien, où la défense nous avait dit que le procureur commence, et puis après les vacances de Noël, nous serons prêts. Je pense que peu ou prou, c'est à peu près la même situation. Nous serons tout à fait prêts à entendre les questions de la défense, mais nous serions surtout prêts à commencer à poser nos propres questions la semaine prochaine. À défaut, on risque d'avoir un interrogatoire un petit peu mal préparé. Otherwise, we could have a poorly prepared questioning. Well, I'm not sure if I understand what the prosecution is saying. We're not ready at all for these two witnesses either. Nous ne sommes pas nous non plus prêts pour ces deux témoins. Et de fait, je dois également lire l'autre déclaration du SEDECAM de l'autre membre de la famille de cette personne. Si je suis prêt à faire un compromis, j'imagine que l'accusation aussi. Pour clarifier les choses, Maître Coppé, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt Mr. Coppé, can you tell us if you are ready or not ready for tomorrow? Because it seems to me I've heard things that are a bit contradictory. Qu'est-ce que vous nous dites maintenant? What are you telling us now? Are you ready to question 2 CCCP 1069? Simplement pour clarifier, je ne sais pas très bien où on en est. I don't know exactly where we are now. I'm not really ready, but I'm prepared to do it. Je ne suis pas exactement prêt, mais je suis prêt à le faire de toute façon. Pour ma part, Monsieur le Président, je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts du tout. For my part, Mr. President, I can say we are not ready at all. Il y a vraiment un saut de témoin extrêmement important. Maintenant, je laisse l'équipe de Nunchia, puisque dans le cadre de cette configuration-là, ça voudrait dire que c'est eux qui commenceraient, que nous, comme lorsqu'il s'agit des témoins appelés par Nunchia, nous serions amenés à interroger la semaine prochaine. Maintenant, si vous voulez mon humble avis, je comprends la nécessité de la Chambre d'aller vite, mais faire les choses dans la précipitation et bâcler les préparations, pour moi, ne me semble pas la meilleure chose. Dans le cadre d'un débat serein. Maintenant, j'ai dit ce que j'en pensais, je laisse les autres parties considérer leur position. Said my piece and pour I'll moi, let ça the me paraît quand même un peu juste. What they say, but I think it's a bit tight. Parties quite some time ago. However, the schedule is advancing a bit forward. Mais bon, il s'agit ici and it is likely that the proposed party is willing to proceed.
So other parties probably would have their turn next week. And the defense counsel is for Nunchi is willing to proceed because we try to fill in the afternoon sessions for tomorrow afternoon. And in fact, the schedule has been informed quite some time ago to the parties. Anyhow, the chamber would like to send the parties for your feedback and observation. We take a break now. And we resume at 25 to 11. À 11h-5. Messieurs d'audience, veuillez civil party during the vous break occuper pendant la pause and de invite la partie her back into civile, the ramenez-la dans le prétoire at 25 to 11. À 11h-5. The court is now in recess.